Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude. Donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes toujours au Cap d'Agde. Cap d'Agde, voilà. Et vous voyez, il y a des très grosses vagues aujourd'hui. Donc à mon avis, aujourd'hui il n'y a pas de baignade. Il n'y a pas encore de drapeau, pas de secours pour l'instant, ils n'ont pas mis le drapeau. Ils vont bientôt le mettre, je pense. Mais je pense que le drapeau sera rouge, je vous rappelle. La baignade est autorisée. Quand le drapeau est jaune, la baignade, le drapeau jaune, le drapeau est jaune, vous pouvez vous baigner, mais c'est un peu dangereux, du coup, mais c'est surveillé, oui, donc vous avez le droit, mais c'est un peu dangereux. Mais si on n'a pas le droit de se baigner, interdit. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore le drapeau, les si, le pot de secours est en train d'ouvrir, je ne sais pas quel drapeau vous mettre, mais c'est assez agité. Mardi, la mer elle était agitée, mais là elle est deux fois plus là. Vous voyez, là on se croirait un peu à l'Atlantique, voilà. Il y a même une là qui fait le kitesurf carrément là-bas au fond. Il s'éclate sur la digue et tout. C'est très beau à voir, mais c'est très dangereux dans l'eau. Voilà, donc c'est la plagette, donc la plage qui était la dernière fois. Je sais même pas si vous m'entendez avec le vent, qu'il y a un vent de ouf là. Limite une tempête, c'est pas quand même. Même mon téléphone il craint de s'envoler. En pourtant, un téléphone c'est pas léger du tout. Ma casquette, j'ai failli la perdre, mais je l'ai pas perdue, enfin heureusement. C'était normal quand c'est une belle casquette. Voilà. Il y a personne qui se baigne parce que bon, le drapeau n'est pas encore mis, mais je pense que les gens savent à peu près que le drapeau va être rouge. Oui, il y en a, mais pas beaucoup. Il y en a qui se baignent, mais ils attendent quand le drapeau il va se mettre. Enfin, les sauveteurs là sont en train de préparer les trucs là pour l'instant. Il est encore fermé, il ouvre seulement là. Regardez, il y a personne sur la plage. Voilà. Il n'y a pas grand monde. Voilà. Il n'y a pas grand monde. Donc, voilà, je vous montre un peu ce magnifique décor. Même si c'est pas très. Hein, même si c'est pas autorisé, quand même. Par exemple là il fait beau là pareil. Regardez, c'est très joli. Le pot de secours c'est ça. Voilà. Alors, ici à la falaise, la grande. Excusez-moi si mon téléphone il bouge, c'est pas moi, c'est la falaise là-bas. Là. Je vais même pas zoomer car sinon si je zoome ça craint de perte de perdre mon téléphone. La falaise de la Grande Coque. Bien évidemment, on n'a pas le droit. De toute façon, il y a des endroits limite de zones de baignade que là, par exemple, on ne peut pas se baigner car il y a des rochers là. Il y a des rochers et là-bas aussi, on peut pas qu'il y a des rochers. On peut se baigner au milieu. Et là, c'est interdit parce que il y a le chenal, c'est les chenals. C'est normal, c'est tout le temps interdit, c'est ce côté-là, mais il y a le chenal du poste de secours. Vous voyez ce que je parle, mais le chenal du poste de secours pour les bateaux, des postes de secours, voilà. Pour ceux qui se connaissent à la plage et tout, ils savent ce que je veux dire. Voilà, bien évidemment, la baignade sera certainement interdite. Pour l'instant, quelques personnes se baignent, mais il ne faut pas tarder à sortir, je pense. Il fait beau pour l'instant, il fait beau, mais après, ça va peut-être changer. La météo va changer. Pour l'instant, les sauveteurs, il faut nettoyer et tout. Alors, quelle est la surprise? C'est la surprise des drapeaux là. Et tout là, il va être en France. Il y a les vagues qu'il y a, limite on peut faire des choses. Il y en a qui font qu'elles sortent. C'est beau à voir, mais c'est dangereux. C'est beau, mais voilà, ma caméra elle bouge tellement, mon téléphone bouge tellement que j'ai du mal à vous filmer. Vlog au Cap d'Agde, les grosses vagues. On se retrouve demain pour le vlog dans le petit train, car je vais prendre le petit train. Comme ça, dès que j'aurai fait le petit train, je vous mettrai ça en ligne sur YouTube. De toute façon, il y a encore de très beaux vlogs. Enfin, ça va bientôt être fini les vlogs. Hein. Voilà, c'est bientôt. On arrive maintenant à la fin des vlogs du Cap d'Agde. Là, on arrive à la fin. Mais bon, c'est bientôt fini en tout cas. Mais il y a encore de très beaux vlogs qui vont arriver au Cap d'Agde. Donc,
voilà, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser les commentaires et surtout à abonnez-vous les amis. Allez, bye bye tout le monde. Là c'est la dernière fois que vous voyez la plage du Cap d'Agde, après ce sera dans le petit train, mais là c'est la dernière fois que vous voyez ce paysage aujourd'hui. Et moi aussi d'ailleurs, parce que voilà.